Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle tu vas suivre cette vidéo ou bien cette émission. Nous vous souhaitons déjà bonne année 2023. Nous n'allons pas vous dire une année de beaucoup d'argent ou une année de je sais pas quoi. Non, ce que je veux vous dire, on a publié ça tout à l'heure sur notre page Facebook, que ce n'est pas le changement de 22 à 23 qui va changer ta vie, mais c'est toi-même. Quand tu vas te décider de travailler, c'est ça qui va te transformer, c'est ça qui va amener du changement dans ta vie. Voilà, c'est tout. Le reste, là, on ne sait pas. Mais nous souhaitons quand même bonne année 2023, que le Seigneur t'accorde encore davantage, encore beaucoup de réflexions afin de travailler de mieux en mieux pour ton épanouissement, pour notre épanouissement. Bonne arrivée à tous ceux qui sont connectés déjà. Je sens déjà que les gens étaient en train d'attendre. Voilà, bonne arrivée à vous. Merci de signifier en commentaire à ceux qui sont déjà là. On va passer un bon moment ensemble. Signifiez déjà en commentaire. Nous voulons savoir ceux qui viennent de se connecter déjà. Surtout, n'oubliez pas de faire comme moi, je vais faire tout à l'heure, de prendre ton téléphone, d'aller sur Facebook, de commencer à liker, de commencer à partager, parce que c'est ça qui va prouver que ce rendez-vous-là est assez pertinent et assez spécial pour notre épanouissement, pour notre développement, pour notre avancement. Parce qu'on s'était dit que la musique gospel, que ce soit du Congo, que ce soit de l'Afrique, doit avancer. Mais pour que ça avance, c'est qu'on a besoin de toi, on a besoin de moi, on a besoin de nous tous. Je sens déjà que je vois déjà que notre frère Bunel, le manager, mon aîné, voilà, il est déjà là connecté. Merci frère pour ton soutien. Et donc, soyez les bienvenus à toutes et à tous. Nous allons donc laisser ce moment entre les mains du Seigneur parce que lui, il a dit dans sa parole que là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et donc, nous savons que cette émission, ce n'est pas pour nous, nous le faisons pour sa gloire. Et donc, nous voulons donc consacrer ce moment entre les mains du Seigneur et afin qu'il puisse prendre possession, voilà, de ce rendez-vous, afin que tout ce que nous allons dire, ce ne soit pas des vaines paroles, mais que ça puisse produire quelque chose. Alors, le frère Nova nous demande le lien. Oui, mais je t'ai déjà envoyé, non? Je lui avais déjà envoyé le lien, mais il demande encore le lien. Je le précise que j'avais déjà envoyé. Voilà, donc nous allons prier afin de rendre ce moment entre les mains du Seigneur. On va prier. Disons, te disons merci, Père de gloire, pour ce moment que tu nous as accordé. Nous sommes ici, comme d'habitude, comme chaque samedi, d'ailleurs, ensemble, nous nous retrouvons pour élever ton nom au travers de la musique. Aujourd'hui, nous avons un sujet très important que nous voulons discuter, s'échanger, afin de rappeler à tous que faire de bonnes choses est aussi de Dieu. Dieu n'a pas besoin de seulement ce qui est mauvais, ce qui est moindre. Dieu a aussi besoin que nous puissions réaliser des trucs extraordinaires pour notre épanouissement, pour notre développement. Pourquoi pas réaliser des clips comme les autres? Pourquoi pas réaliser des scènes comme les autres? Pourquoi ne pas nous aussi se retrouver dans des chaînes internationales? Pourquoi pas nous aussi nous puissions être diffusés partout comme on le voit avec les autres? Mais nous pensons que seul, on ne peut pas, mais ensemble, nous pouvons. Voilà pourquoi nous nous sommes réunis ensemble, question de voir comment est-ce que nous pouvons faire, où se situent nos erreurs. Ensemble, nous puissions dénicher ces erreurs-là afin que nous puissions avancer. Nous avons invité donc pendant ce moment, pendant ce moment de partage, notre frère Jadil, qui est aussi réalisateur, qui est caméraman, qui est monteur vidéo. Nous aurons aussi notre frère Nova, qui tout à l'heure va être ensemble avec nous, qui est aussi monteur, caméraman, monteur vidéo, ensemble avec les musiciens qui nous suivent, avec les managers qui nous suivent, ensemble, nous voulons nous échanger
pour le développement, pour l'épanouissement, pour l'avancement. Alors, dirige ce moment. Toi seul, guide-nous selon ta grâce et selon ta miséricorde. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, Amen. merci déjà à Bakdan. Merci. Qui est déjà là. Bakdan, c'est un rappeur chrétien. Merci déjà. On a le manager Monene Brunel. Merci, manager, pour ton soutien. Bonne arrivée à toi aussi. Alors, donc, je nous demande de prendre les téléphones. Vous savez déjà comment ça se passe. Excusez-moi du volume. Donc, vous savez déjà comment ça se passe. C'est de partager, c'est de liker, c'est d'inviter nos amis. Parce que ce qu'on va discuter ce soir, ça ne sera pas du tabou, ça sera de la vérité. Et donc, la vérité a besoin d'être soutenue. Voilà. Donc, Manaja, Denga, eh bien. Donc, on va partager le direct. Question de se soutenir. Voilà. Bonne arrivée, maman Poitiers. Bonne arrivée à toi aussi. Maman Magarel. Merci. On veut voir vos partages, vos commentaires. Je vois Partagez déjà dans que tous les groupes là où vous êtes abonné en tout cas. je vois déjà le frère Brunel à partager. Merci, mon frère. Maintenant, les autres, si vous n'allez pas partager, je pense que c'est le début de la sorcellerie, comme on le dit. Maintenant, comme vous êtes, nous ne sommes pas des sorciers. Je pense que la moindre des choses, c'est de partager. C'est ça. On ne vous demande pas l'argent. Tout ce que nous Oui, demandons, c'est de moi je dirais même que à peine là, on a souhaité bonne année de prospérité et de réussite. Voilà la réussite. Partagez pour que nous puissions partager. réussir. Voilà. Si tu partages, Et tu bien réussis. éviter l'hypocrisie. Quand ils lisent les messages de oh, partage ça à 20 personnes pour être béni, tu vois, les gens te partagent n'importe te quoi. Hein? Je ne sais pas si Dieu, ils envoient la bénédiction comme ça, hein? Je ne sais pas. Mais bon, les gens le font quand même. Moi, je sais que ça ne se passe pas comme ça. Dieu ne bénit pas de cette façon. Mais les gens, on voit les gens saturer les gens pour partager, pour chercher la bénédiction. Bon, nous aussi, on vous dit partager. Voilà. Le Seigneur va vous bénir en centuple. Ah Le Seigneur va oui. vous bénir en centuple. Donc, partageons ce direct avant que nous puissions commencer. Parce que le thème d'aujourd'hui, c'est la vérité. On va se dire des vérités. Le thème d'aujourd'hui, c'est les enjeux et tournures pour un clip de qualité. Nous voulons réaliser des clips de qualité. Nous voulons aussi, parce que pour ceux qui ont lu les textes que j'ai partagés, sur la page Facebook de l'émission, je pense qu'on a compris qu'il est d'une très grande importance pour nous de réaliser des clips de qualité pour notre mission ou bien pour notre carrière. C'est aussi très important. Et on a pensé qu'il fallait appeler des réalisateurs, on appelait des artistes, ils ont fui, mais on a pensé appeler les réalisateurs des clips. Ils sont deux. L'autre va nous rejoindre tout à l'heure. C'est le frère Nova Bandeira. Il va nous rejoindre tout à l'heure. On a pensé appeler des réalisateurs. Ils vont nous parler des difficultés qu'ils rencontrent. Et ils vont, nous aussi, nous allons leur poser quelques questions et pour chercher à vérifier est-ce qu'ils sont à la hauteur. Et ils vont nous parler aussi des difficultés qu'ils rencontrent avec contre vous, les artistes. Vous venez les solliciter pour la réalisation de vos clips, parce que on va voir un artiste qui vit avec 80 000, qui a besoin qu'on lui réalise un clip qui coûte plus d'1 million. Je me demande si c'est pas la Ah sorcellerie, mais on va essayer de voir si c'est la sorcellerie ou c'est le négligence, parce que les gens se disens que Dieu n'a pas besoin voilà, Dieu n'a pas besoin de ça. Mais quand on réalise des trucs qui sont moches, c'est nous qui voulons du succès. C'est nous qui voulons de l'avancement. Oh frère, pour moi-même, pour soutenir. Non, on ne soutient pas quelque chose qui n'attire pas. Voilà. Donc, on va essayer de parler de tout ça.
question de pouvoir dénicher les erreurs, dénicher les difficultés, comprendre où se situe le nœud du problème afin que nous puissions avancer. Alors, je vous laisse en 1 minute. Jiporek, de vous À présenter. la base. Qui est Jiporek? Si faudra qu'on cherche à savoir la personne qui est en face de nous, Jiporek, c'est qui? OK. Bon, je vais commencer d'abord à me présenter. Normalement, je m'appelle Jadil Tekela et je dirige une structure au nom de JPOREC. Et d'abord, JPOREC Média qui existe. Et aussi JPOREC. Donc, je suis réalisateur, je suis motion designer et je suis aussi photographe. Donc, ma mission sur Internet, je travaille généralement. Ma mission, c'est pouvoir aider les entrepreneurs, aider les musiciens à réaliser leurs clips de rêve, leurs vidéos de rêve. Donc, c'est ça en tout cas JPOREC. Donc, si je comprends bien, vous réalisez des trucs de rêve. Donc, ce que je pense même là, vous pouvez réaliser ça. Effectivement. Alors. L'impossibilité est un état d'esprit. Alors, dites-nous d'abord, comment faire pour être un réalisateur de clips ou un réalisateur tout court? Il faut faire des études? Est-ce qu'il faut, voilà, c'est quelque chose qui est inné? Donc, voilà, parlez-nous un peu de cette expérience-là. En temps normal, on ne devient pas réalisateur. D'un bon matin, tu te réveilles, tu achètes une caméra et tu te dis réalisateur. Non. Avant de devenir réalisateur, il faut d'abord se former. La formation doit être l'élément de base avant de pouvoir peut-être s'acheter même du matériel. Il faut d'abord se former. Une fois dans la formation, et là, vous pouvez acheter du matériel et au fur et à mesure, avec le temps, vous allez devenir un bon réalisateur. C'est-à-dire, ce qui revient à dire que ce n'est pas le fait d'avoir une caméra et des lumières pour être un réalisateur, mais il faudrait d'abord au préalable suivre une formation et après cette formation, c'est là où les gens peuvent vous appeler un réalisateur. Donc, on n'est pas né réalisateur, mais on le devient en suivant une formation. Effectivement. Au fait, on peut naître avec ce talent, mais ce talent a besoin d'être canalisé. D'où il faudrait suivre une formation. Alors, la première question, j'aimerais savoir, vous poser, pourquoi nous devons nous investir à la réalisation d'un clip vidéo de bonne qualité? Pourquoi on doit réaliser? Parce que si on repart un peu dans les années 60, 70 ou dans les années 50, nous allons voir que la musique était là. Les clips n'étaient pas aussi, voilà, comme ça y est aujourd'hui, mais au moins on avait des artistes connus à l'échelle internationale. Mais pourquoi aujourd'hui beaucoup d'investissements, beaucoup des ressources pour que tu sois, pour que ton clip puisse être accepté? Comme tu as su le dire, dans le temps ancien, je peux aussi essayer d'illustrer ça. Dans le temps ancien, pour avoir du feu, dans la préhistoire, nos arrière-grands-parents ont utilisé les pierres pour allumer du feu. Mais aujourd'hui, nous avons les boîtes d'allumettes au marché. Donc, ce qui veut dire qu'au fil du temps, la technologie évolue. Au fil du temps, les choses sont en train de changer. Donc, au jour aujourd'hui, la technologie est au fait, le 21e siècle, c'est un siècle de lumière. Donc, la technologie est en train de prendre vraiment une vitesse incroyable. Et du coup, quand on parle de la technologie, ça veut dire qu'on fait allusion aussi au matériel de qualité. Et le matériel de qualité, ça ne coûte pas 10 000, 20 000. Ce sont des matériels qui coûtent très cher. Et du coup, ces matériels-là sont aussi importants pour
nous permettre de pouvoir réaliser des clips de bonne qualité. Alors, pourquoi on doit investir dans un clip vidéo? Et voilà, on peut faire que des audios ou voilà, mais pourquoi on doit s'investir pour faire un clip vidéo? On doit investir pour faire un clip vidéo parce que, vous savez, la musique est un langage. Et les vidéos aussi, les gestes, les différents gestes qui sont dans un clip aussi, c'est un langage. Donc aujourd'hui, c'est aussi pour briser aussi la barrière de la langue. Par exemple, une personne qui chante en Kikongo et un Américain qui est aux États-Unis, rien qu'en voyant le clip, sans pouvoir comprendre la langue, cet Américain-là, cette personne-là aura la facilité de pouvoir comprendre le message qui est véhiculé au travers de ce clip. Donc, si la personne n'arrive pas à percevoir le message par le dire, par le chant, la personne, au travers des images, peut comprendre le message qui est véhiculé au travers de ce clip. Donc, voilà pourquoi il est important de pouvoir investir aussi dans le clip. Alors, moi je me dis que le clip est peut-être un meilleur moyen de créer ou de développer l'identité visuelle d'un chanteur ou d'un artiste ou d'un groupe. Effectivement, parce que tu sais, dans un clip, il y a, à part la musique, il y a aussi les couleurs aussi existent. Or, nous savons aussi les couleurs aussi créent aussi l'émotion. Du coup, même si la musique n'était pas à la hauteur, au travers des couleurs qui sont utilisées dans ce clip, là, ça peut rendre ton œuvre agréable aux yeux des hommes. On comprend. Bon, je ne sais pas si vous sentez, hein, vous sentez le sens que c'est quelqu'un qui connaît ce qu'il est en train de faire. Bientôt, on va rentrer maintenant dans l'attaque. On veut d'abord mettre le décor. On veut d'abord mettre le décor. Bientôt, on va rentrer dans. Vous comprenez à quel point que c'est très, très important pour nous de réaliser. Parce que ça va nous permettre de créer l'identité visuelle. Parce qu'en audio, on cherche à imaginer la personne qui est en train de chanter, Effectivement. mais à partir avec la vidéo, ça accompagne en fait, c'est ça. Ça accompagne donc le son qu'on est en train d'écouter. Vous venez de le dire tout à l'heure que quelqu'un qui n'est pas congolais peut comprendre, peut interpréter la chanson en regardant le clip de la chanson. Effectivement. Voilà pourquoi on peut mettre les illustrations. Mais on va même remarquer que ça aussi, il y a un problème. Tu vois, une chanson qui demande assez d'illustrations ou assez de, vous sais pas comment est-ce que vous appelez ça, des scènes qui pouvaient permettre de faire comprendre mieux la chanson pour ceux qui ne sont pas congolais, pour ceux qui ne sont pas américains, pour ceux qui ne sont pas français, tout ça. Mais tu verras une chanson qui devait être illustrée, mais c'est tourné dans un sens où on se pose même des questions si. Je ne sais pas. Alors, dis-moi, est-ce qu'il est aussi nécessaire que la qualité compte avant tout? Ou on peut filmer, voilà, une vidéo, on prend le son, on filme la vidéo, voilà, on additionne les deux et ça sort. Est-ce qu'il est nécessaire aussi qu'il y ait de la qualité avant? C'est-à-dire que, mais en mettant la qualité en priorité dans la réalisation de nos clips. Effectivement, la Parce qualité, que, c'est... attends, parce que nous savons que le but du clip vidéo, c'est de promouvoir seulement le côté audio de la chanson. Alors, pourquoi est-ce que c'est vraiment important de mettre en avant la qualité? La qualité est importante parce que, je vais prendre un exemple. Imaginez que vous êtes invité quelque part et que vous vous rendez... En fait, la qualité, je veux dire, la qualité, c'est comme le code vestimentaire pour les sapeurs. Pour une personne qui est vêtue en veste et pour une personne qui est vêtue en t-shirt, les deux personnes n'auront pas le même respect. S'il s'agissait peut-être de faire rentrer dans un local donné, on fera d'abord rentrer la personne qui est en veste. Pourquoi? Parce que sa présentation, en fait, c'est, en un mot, je vais appeler ça comment je vais appeler ça? En fait, la qualité, comme je l'ai dit, la qualité, elle est importante parce que j'essaie un peu de reprendre la question m'a échappé.
Alors, j'étais en train de dire, est-ce que on peut, nous pouvons mettre, est-ce qu'on doit mettre la qualité de la vidéo en amont? Parce que nous savons que les clips, c'est juste pour promouvoir la musique, c'est-à-dire promouvoir le son audio. Mais donc, est-ce que c'est-il nécessaire de mettre en amont, en avant, la qualité de la vidéo? Effectivement, la qualité est importante, première des choses. La majorité des œuvres que nous réalisons, nous les publions sur Internet. Et sur l'Internet, en amont, j'ai parlé de l'évolution de la technologie. D'accord. Aujourd'hui, avec les algorithmes de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, une vidéo de bonne qualité est mieux proposée au public qu'une vidéo de mauvaise qualité. Donc, aujourd'hui, même si vous êtes un artiste, c'est pas renommé, mais si vous ne présentez pas une vidéo de très bonne qualité, vous allez voir que vous n'allez pas atteindre beaucoup d'audience. Parce que il y a aussi la technologie qui est là, nos réseaux sociaux aussi scindent vraiment les réseaux sociaux aussi, ils savent valoriser ce qui est bien. Donc, si nous devons investir aussi dans la qualité, c'est pour aussi avoir cette possibilité d'avoir une bonne visibilité. D'accord. Parce que les réseaux, les outils que nous utilisons nous imposent d'une certaine façon à pouvoir présenter quelque chose de bon. Parce que nous devons aussi être aussi à la hauteur de la technologie d'aujourd'hui. Nous ne devons pas présenter des gens des choses qui ressemblent à la préhistoire. Sinon, nous serons en déphasage entre le présent et le passé. En tout cas, il faut qu'il y ait vraiment de la différence. On comprend. Alors, Et aussi, parlez-nous de... j'allais aussi Allez-y, ajouter allez-y. pour nous les chrétiens, par exemple, nous savons que notre Dieu aussi aime de l'excellence. Nous pouvons voir tout ce qu'il a créé, il est beau, même si c'est écrit dans la Bible. Donc, nous devons aussi prendre aussi l'exemple de notre Père. Mais or, c'est le Nous devons. contraire. C'est le contraire pour les chrétiens. Les chrétiens disent que non, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu regarde le cœur. Dieu a besoin des paroles seulement. Dieu lui, ceci. Les chrétiens, c'est ce qu'ils disent. Donc, je pourrais Oui, dire que les mais chrétiens lisent mal la Bible. moi je crois bien que les chrétiens doivent être encore enseignés sur ce point-là parce que Dieu n'a pas créé quelque chose de mauvais en fait. La Bible nous dit que tout ce qu'il a créé, Dieu vit tout ce qu'il a créé était bon. Donc Voilà. c'était de la qualité supérieure. D'accord. Alors, on a notre frère Nova, je crois, qui va se connecter tout à l'heure. D'accord, en attendant. Voilà, donc, si on comprend bien, la qualité du clip est aussi importante disons, dans la vie d'un artiste ou dans son ministère ou dans sa carrière. C'est aussi important la qualité la qualité de l'image. Effectivement. D'accord. OK. On Même a compris. rien que par la qualité de l'image, pour une On peut personne qui juger. n'est pas, pour un type chrétien par exemple, même la qualité d'image va pousser à une personne qui est non chrétienne de pouvoir suivre. D'accord. C'est-à-dire rien OK. que par la qualité, ça attire déjà, ça attire l'audience, ça attire la personne de pouvoir suivre qu'est-ce que le monsieur est en train de véhiculer au travers de ce beau truc qui a été réalisé. Mais on se dit qu'en faisant des clips extraordinaires, c'est du fanfaron, c'est du m'as-tu vu, c'est le Matalana pour nous en Congo, on interprète ça de beaucoup de choses. Si tu réalisais ton clip dans l'hôtel, dans une hôtel 5 étoiles, on se dit que voilà, c'est tout ça. Mais bon, on Moi, vient de je me dis comprendre aussi, tu sais, Allez-y. c'est aussi important. J'ai toujours dit que normalement, les artistes, surtout les chrétiens, doivent suivre aussi la formation du développement personnel. C'est très important. Quand ils vont suivre ces formations du développement personnel, ils vont comprendre certaines choses qu'on dit que ça peut passer, mais alors que ça ne devait pas passer. Donc, la formation du développement personnel est aussi très importante aussi pour la réalisation de nos différents. D'accord. Alors, quelles sont les difficultés majeures, toi, en tant que réalisateur? Je sais que vous avez réalisé déjà
prenez besoin de vous poser cette question, combien de clips avez-vous déjà réalisé? Mais nous savons déjà, parce que tout à l'heure, on va suivre peut-être l'un des clips que vous avez déjà réalisé. Alors, quelles sont les difficultés majeures que vous rencontrez dans la réalisation de votre travail? Parce que, puisque là, nous sommes dans le milieu chrétien, dans le cadre de la musique chrétienne, quelles sont les difficultés majeures que vous pouvez nous citer, que vous rencontrez au quotidien quand les artistes chrétiens viennent vers vous pour solliciter de vos services? Les difficultés, il y en a tellement beaucoup. Mais la première des choses, c'est au fait d'abord le fond la manière dont le clip doit réaliser. Aujourd'hui, par exemple, je peux recevoir un client et il vient avec une idée calée que mon clip doit être réalisé de cette façon. Mais alors que il ne sait pas, nous, par exemple, moi, par exemple, en tant que réalisateur, avant de pouvoir réaliser un clip, je me mets d'abord à étudier la musique qui m'a été fournie. Et par rapport à la musique, j'aurais cette facilité de pouvoir savoir, par rapport à cette musique, il faut réaliser tel type de clip. Mais tu vois, quand on, par exemple, un artiste vient avec une idée calée et quand tu essaies de le proposer, ce qui est meilleur par rapport à sa musique, et il a tendance à résister. Et du coup, quand tu arrives au lieu de tournage, tu vois bien que ce qu'il est en train de te proposer, ce n'est pas ça. Et du coup, tu ne t'imprègnes pas complètement. Du coup, tu es obligé, vu que c'est aussi un client, tu es obligé de faire ce que lui est en train de vouloir. Mais artistiquement, ce n'est pas ça. Et la deuxième des choses aussi, c'est, vous savez, ce sont des images, on utilise les caméras. Et il y a certaines personnes aussi, quand il arrive, on peut dire, par exemple, avant de pouvoir te filmer, il faudrait, par exemple, te maquiller. Il y a d'autres personnes qui se disent que non, moi, dans mon église, on ne fait pas le maquillage. Vous voyez? Et quand on arrive au montage, c'est maintenant, on a maintenant des difficultés de pouvoir traiter cette peau-là. Parce que quand on est au milieu du tournage, les gens transpirent et du coup, pour enlever toutes ces imperfections-là, c'est pas chose facile. Bon, j'espère que les artistes sont là, vous êtes en train d'écouter bon, je ne sais pas si on va appeler ça les plaintes, les difficultés que les réalisateurs rencontrent. Eh bien, si vous aussi vous avez des questions, si vous aussi vous avez des difficultés que vous rencontrez, vous allez les mettre en commentaire et on va les poser à notre frère de la maison Jiporek, qui est caméraman, monteur vidéo, qui est réalisateur, voilà, des clips vidéo. Donc, si vous avez des questions, vous aussi, des artistes qui sont là, je vois, il y a Maman Ludi, je vois, il y a la sœur Sonia Singh, je vois, il y a Maman, Maman Margaret qui bébé, vous êtes là. Donc, si vous aussi, vous avez des difficultés, ben, vous allez les poser. Et en contrepartie, on va essayer de trouver la solution. Comment est-ce qu'on va faire pour que nous puissions avancer? On nous dit ici, les gens veulent à leur tête au lieu d'écouter les professionnels. Oui, c'est aussi ça. Nous écoutons plus nous. Nous voulons nous. Nous ne voulons pas. Ah, voilà. Mais or, on le fait, on ne connaît encore rien. Mais nous imposons, nous exigeons des trucs qui sont même, comme on dit, autant contemporains. Les choses qui ne devaient même pas exister. Mais c'est ce que nous voulons, qui n'ont même pas de sens, qui ne collaborent même pas avec. Avec le thème, par exemple, de notre chanson. Alors, parlons, en combien de temps pouvons-nous réaliser le clip d'une chanson? En combien de temps pouvons-nous réaliser le clip? En La fait, chanson qui dure le temps 4 dépend minutes. de l'investissement. D'abord, le temps dépend de l'investissement. Par exemple, pour une personne qui aimerait un clip waouh, c'est-à-dire, il y a d'abord la phase de la préparation.
là où on va installer la décoration, tout ça. C'est-à-dire, ça peut nous prendre, rien que les préparatifs à la réalisation d'un clip, ça peut nous prendre même 3 mois. Parce que sur place avant d'aller d'abord chercher l'endroit où il faudrait réaliser le clip, c'est d'abord un projet qu'on monte. On monte d'abord un projet, comment les choses seront faites. Et après le projet, quand le projet serait concret, et on se met maintenant à la phase de pouvoir chercher un endroit qui va vraiment aller avec le clip que nous voulons tourner. Et une fois sur le terrain, c'est maintenant la phase de pouvoir faire l'installation, les décorations, les lumières et tout ce que vous voulez. Donc, en fait, la durée dépend de l'investissement. Alors, j'aimerais, j'ai suivi sur YouTube les making-of ou les préparatifs du tournage de la chanson et Simbité de l'artiste Moïse Mbille. Je m'étais dit que ça demande vraiment beaucoup de travail. Ça demande beaucoup d'investissement. Ça demande beaucoup de technique, beaucoup de tactique. Et donc, je me dis, si nous avons des clips médiocres, quelque part, on va accuser les réalisateurs. Parce que tout à l'heure, vous venez de le dire que vous avez une idée. Vous vous dites que j'ai étudié la chanson. J'ai examiné la chanson, mais je me dis que le clip, on devait tourner ça, par exemple, au bord de l'eau, ou bien je sais pas, dans une temple, dans une église. Mais le propriétaire de la chanson, tu dis que non, pour moi, on doit tourner ça dans un hôtel. Eh bien, puisque toi, c'est le client, tu te dis que non, on fait la volonté du client. Or, à l'intérieur, il y a le client, et il y a l'image du client, et il y a ton image, parce qu'il y a ta signature dans le clip. Donc, il y a deux choses qu'on est en train de vouloir tarnir. C'est ton image et l'image de l'artiste. Alors, quelque part, Mais il on va faut vous comprendre que accuser. non, moi je peux pas accepter ce tort. Généralement, quand j'arrive devant ce type de client, je ne mets pas ma signature. Je ne reçois tu es en fait, même les suggestions que je fais personnellement, ce n'est pas des obligations. C'est-à-dire, c'est quelque que c'est ton projet. Moi, je te propose ce qui est meilleur. Et si tu es borné. Hey, merde. Bon, en attendant que le frère Jadil puisse nous revenir rapidement, nous allons vous laisser suivre en quelques minutes ce making-of du tournage du clip C'est Simbité. Question de vous mettre au parfum. Voilà. Donc, je disais, frère Jadil, on va suivre en quelques minutes les making-of du tournage de ce clip et on va revenir. Question de continuer notre sujet. D'accord.
On a suivi cet extrait, une partie de ce tournage. Je me demande, chacun écrit en commentaire, combien peut coûter le tournage de cette chanson? Si on peut imaginer le prix, combien peut... Maman Poiti, merci beaucoup. Merci beaucoup pour... voilà. Oui, vous avez raison. Oui, vous avez raison. Merci beaucoup. Alors, combien peut coûter ce tournage? Nous voyons que c'est une chanson, mais l'investissement est énorme. Parce que, comme l'a dit Maman Poiti quelque part, que... Nous sommes tellement trop spirituels. Non, nous sommes tellement trop religieux et moins de spirituels. Mais moi, je suis dit, y a, des gens parlent tellement trop de spirituels. On est tellement trop spirituels même dans nos clips. On s'est dit non, si on mettait ça, c'est voilà. On s'est dit non, ceci, non, on ne doit pas. Mais non, moi, je me demande. Combien peut coûter ce genre de clip, si on peut l'évaluer? Bon, vous, en tant que réalisateur, si on peut évaluer ce clip, combien ça peut coûter? Bon, s'il faut évaluer, moi, en France, je peux dire que ça peut aller entre 1 million ou bien 1 million 500. Rien que pour une chanson. Ouais, ouais. Mais nous allons voir des Congolais qui vont arriver avec 80 000 qui vont vouloir qu'on lui réalise des clips pareils. Imaginez avec 80 000, vous avez vu les clips, l'équipe qui a été présente sur le lieu du tournage. Mm-hmm. Vous voyez? Maintenant, bon, imaginez avec 80 000, comment vous pouvez assurer la responsabilité de ces personnes-là? Et j'ai vu là, il y a des comptes. Sinel nous dit 2 millions. Ah, voilà, voilà une personne qui comprend. Il y a des comptes plaqués qui ont été achetés pour construire le fond blanc, les tissus, les lumières. Et les lumières, ce n'est pas avec notre électricité là qui fait monter, descendre. Sur eux, c'est-à-dire qu'il y avait aussi un groupe électrogène à l'extérieur. Imaginez tout ça là, est-ce que. Et la logistique aussi. Il faut qu'on voit la logistique aussi. Le transport de ces matériels, le décor. Et vous êtes sûr qu'avec même 150 000, il est possible de pouvoir réaliser ce type de clip? Non. Non. On ne peut pas. Et là, on parle juste de l'achat de ce qui a été acheté. Maintenant, sans compter, il faut aussi assurer l'équipe qui t'accompagne. Parce que les gens pensent que quand on dit un clip, c'est juste le réalisateur qui est là avec sa caméra et c'est parti. Non. La quasi-majorité de nos clips, c'est comme ça. Donc, on sait déjà, on va chercher un endroit gratuit au bord de la plage là-bas, un endroit gratuit. Ou bien on va chercher la maison de quelqu'un. On dit, papa, depuis cette colline Jogiko, tu vois, c'est comme ça. Voilà pourquoi j'ai dit en amont que le développement personnel, c'est une formation que tout artiste musicien devait suivre. Parce qu'en fait, c'est penser, c'est avoir des pensées limitées en quelque sorte. On ne veut pas penser gros, on ne veut pas avoir loin. On ne veut pas voir loin, j'allais dire. On aime toujours se contenter du peu qu'on a.
Or qu'on D'accord. peut aller au-delà de ce qu'on voit quand même. Comme je le disais en amont, sur le lieu de tournage, il n'y a pas que le réalisateur, il y a aussi l'électricien qui est là, il y a le maquilleur qui est là. D'accord. Vous voyez? Donc, les Voilà, gens voient juste mais le réalisateur. nous voyons les moyens de bord, hein. J'appelle ma soeur qui connaît un peu faire des trucs là, j'appelle ma petite soeur, j'appelle, voilà, et on fait ça comme ça, quoi, système, Oui, voilà. en ce qui concerne le maquillage, bon, c'est acceptable que tu puisses avoir ton maquilleur. Ça, on peut l'accepter, mais en ce qui concerne les lumières, tu ne vas pas appeler l'électricien de la SNE qui viendra poser les lumières. Non, là, il y a des codes. Il faudrait étudier les lumières. Il y a telle et telle lumière, on ne peut pas les mettre ensemble. Telle lumière doit être placée à 45 degrés. Telle lumière doit être placée à 60 degrés. Telle lumière doit être en haut à 120 degrés. Voilà. Toutes ces techniques-là, ce n'est qu'une personne qui est dans le domaine qui peut avoir toutes ces connaissances-là. Le maquilleur, on peut accepter. Maintenant, les lumières. Qui va s'en charger? On ne va pas appeler l'électricien du quartier pour pouvoir venir éclairer. On Ça a n'a pas quelque de chose. sens. On a quelque chose de très pertinent que maman a dit, vient de dire. Elle dit, faut aussi prendre en compte des moyens financiers des artistes. Ce n'est pas tout le monde qui peut mettre 2 millions pour la réalisation du clip, même si on aime les bonnes choses. Bon, Oui, mais réponds d'abord. Moi, je vais répondre moi aussi. Mais toi, réponds d'abord. Oui. dans ce cas-là, que les artistes ne viennent pas peut-être nous faire la pression pour dire que je veux un clip de près de 2 millions pendant ce temps que on n'a même pas peut-être la moitié ou bien le quart. Parce que si on n'a pas une somme donnée, si l'artiste est exigeant, du coup, ça nous bloque. Et quand on ne donne pas le rendu qu'il veut avec le peu d'argent qu'il a, on ne peut pas faire de la magie quand même. Faut On ne peut faire la pas faire de magie. la magie. On ne peut pas faire de la magie. On ne peut que nous fournir par rapport à ce qu'il nous présente. Donc, d'une part, voilà pourquoi pardon, imposer quelque chose avec une somme qu'on ne peut pas en fait. Les moyens de bord, oui, on peut bricoler, mais c'est dans le bricolage où nous sommes critiqués, par exemple, à l'extérieur. Aujourd'hui, on peut dire que peut-être que le Congo, Brazzaville, ne présente pas des belles choses d'une certaine façon. C'est à cause aussi de... On aime utiliser des moyens de bord. Et l'autre chose, aujourd'hui, vous allez voir un artiste dans une année faire au moins 12 titres. 12 titres et il me réfère par ces 12 titres, il me réfère 12 clips cette même année. Pendant ce temps, vous allez voir nos frères de la RDC, par exemple, en 6 mois, juste un maxi single, là où il a investi. Et l'investissement qu'il a eu à faire dans ce maxi single va aussi le booster d'une certaine façon incroyable en quelque sorte. Donc, c'est aussi question aussi de la préparation aussi. La préparation. Deux fois aussi, certains de nos frères aussi, ils sont dans le genre, l'autre a fait, moi aussi j'aimerais faire. Or, dans ce domaine-là, la préparation aussi, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, je peux me projeter que je veux faire un clip qui est vraiment un très bon clip et bien sûr que je ne peux pas atteindre 2 millions, mais je peux atteindre une somme acceptable pour pouvoir faire quelque chose d'acceptable. Au lieu, cette année, je fais un truc de 30 000, l'année prochaine, je fais un truc de 30 000, et on ne voit pas l'évolution en quelque sorte. D'accord. Donc, c'était un peu ça ma contribution face à ça. Oui, moi je dirais bonsoir, frère Nova. Bonsoir, mon frère. En tout cas, Bienvenue. mes excuses. Ah, Non, on salut, ma comprend que la technique a ses caprices. On est au Congo, hein. Donc, oui, tout ça là, les imprévus, ça peut arriver. Alors, comment allez-vous? oui, ça va par la grâce de Dieu. Vraiment, on a bondi de la sorte à ce qu'on a à la connecter. Et Et signe quand de on la main. m'abat après 30 minutes ou 40 minutes, l'essentiel, je suis là.
Et si Milango? Ouais, Nous t'as connu ça pas. rendons grâce à Dieu quand même. On va arriver tout à l'heure avec vous. Je reprends d'abord à Maman Nadie. Alors, Maman Nadie, moi, je pourrais dire quelque chose que c'est vrai que tout le monde, nous n'avons pas ces moyens pour réaliser ces clips, des sommes de 2 millions ou d'1 million. Mais je vais prendre le cas de ce que a dit notre frère Jadil, que tu verras que nos amis de la RDC ou d'autres pays, quelqu'un qui va faire une année pour réaliser un seul clip, il se dit que quand le clip là va sortir, ça va me propulser. Mais vous allez voir que nous, on réalise beaucoup de clips, on rentre en studio beaucoup de fois pour réaliser des trucs médiocres. Je pense qu'il est préférable peut-être que je me concentre pour un seul truc, même si ça ne va pas être pour 2 millions de réalisations, mais que je me concentre sur un seul truc. Et le fait que quand mon truc là va sortir, ça doit impacter. Quand mon truc là va sortir, les gens doivent accepter ça. Les gens doivent voir la qualité. Les gens doivent dire que rien qu'avec ses efforts, regardons ce qu'il a réalisé. Mais si nous pouvons encore lui donner des efforts, il va réaliser encore des choses de plus belles. Bon, de ce côté, nous aimons donner la charge au réalisateur, au producteur. Oh, parce que je n'ai pas de producteur, voilà pourquoi je ne peux pas faire. Bon, on donne plus la place au producteur. Mais je pense que ce n'est pas vraiment c'est les bonnes manières. On doit d'abord fournir des efforts. Même si ça ne sera pas 2 millions, on doit d'abord fournir des efforts pour faire quelque chose. Il vaut mieux de ne pas lancer si on n'est pas capable. Il vaut mieux faire autre chose que le blackley. Bon, Maman Poitiers, c'est votre avis. Alors, nous avons reçu un autre réalisateur qui est du côté de Brazzaville. C'est Isa Frère Nabi, c'est notre frère Nova. Moi, je ne sais pas si c'est Bondeira. Voilà, moi, je dirais ça comme ça. Bondeira, il est de l'autre côté de Brazzaville. Il est Ouais. réalisateur. Pardon? Bandeira, c'est bon, ça va. Ah, bon, Ils ont la possibilité de... Donc, du coup, ouais, il y on a a un compris. peu des gens qui mais ça va, ça passe. D'accord, on a compris. Alors, frère Nova, on avait déjà amorcé le sujet. Je Ouais. pense que vous avez suivi quelques parties avant de vous connecter. Alors, parlez-nous, vous, en tant qu'un autre réalisateur, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la réalisation de votre travail, les difficultés que vous rencontrez avec les artistes quand ils viennent vous solliciter vos services? D'accord, merci. Ouais, lui, il n'est pas. La connexion nous dérange avec le frère Nova. Alors, je pense qu'on a un problème de connexion avec le frère Nova, espérant qu'il va nous revenir. Alors, il y a la sœur Poitiers dit que les gens ne sont pas responsables je sais pas, de ce qu'ils font. C'est toujours la faute des autres. Mindset. Oui, c'est un problème de mindset. C'est un problème de mindset. On regarde, on n'a pas eu de la vision futuriste, mais moi je pense aussi, ce qui fait ça, c'est que nous, la musique pour nous, oh, moi je trouve que la musique pour les Congolais, c'est une distraction. Oh non, c'est juste pour adorer le Seigneur, c'est juste pour... voilà, moi je trouve que c'est cet esprit-là. Parce que pour les autres, ils voient autre chose dans ce qu'ils sont en train de faire, de la musique qu'ils sont en train de faire. Mais pour nous, nous regardons ça, parce que tu reviens du boulot, bon, tu n'as rien à faire, bon, je pars en studio, voilà, oh, je loue, j'adore, c'est mon Dieu, voilà, c'est tout, on s'arrête par là. Mais or, en ayant cette vision, puisque la Bible dit, ce que nous construisons, c'est ce qui se réalise. Ce que nous matérialisons à l'intérieur de nous, c'est ce qui se réalise. Nous ne pouvons pas vouloir être des artistes à l'échelle internationale, mais nous ne voulons pas être des stars. C'est vrai que nous savons que nous servons Dieu, nous chantons pour Dieu, mais
Quand nous voulons être à l'échelle internationale, il y a le succès qui arrive. Oui. Ça arrive. Mais vous allez voir les artistes qui disent, oh non, la lumière a succédé, oh, tout ça là, c'est Dieu qui mérite tout ça. Mais le fait d'être vu partout, même quand les gens vont te voir en route, on va commencer à te saluer. Quand les gens vont te voir en route, ils vont chercher à vouloir prendre photo avec toi. Je ne sais pas si quelqu'un peut croiser Dena Moine en route. Il ne va pas vouloir saluer Dena Moine. Ou s'il croisait Moïse Mbillé, ou s'il croisait le pasteur Marcel Mbungu, ou s'il croisait la sœur Nadia Loudi, ou s'il croisait la sœur Sonia Singh. Le fait de regarder ses frères, ses sœurs-là à la télé, le jour où tu vas le rencontrer en chemin, ça te fait quand même la joie de pouvoir se laisser peut-être de prendre en photo. Mais on ne peut pas refuser ça. Puisque on est maintenant à l'échelle internationale, ça va arriver. Donc, maman a dit, je pense qu'il est important pour nous, comme a dit le frère Jadil, d'arrêter seulement à réaliser beaucoup de clips courant l'année, mais de se concentrer, de réaliser un seul clip ou deux qu'on va investir beaucoup en temps. J'ai vu aussi des clips où on ne dépense pas beaucoup d'argent en investissement avec le matériel. On a payé juste le réalisateur, mais on a trouvé des cadres qui coïncident vraiment avec la thématique de notre chanson. Et le réalisateur fait un bon travail et c'est bon. Et c'est bon. Et donc, il y a aussi même ça aussi, le choix même des sites qu'on utilise pour tourner nos clips. Ça aussi, ça, c'est décevant, ça nous bloque, ça nous empêche d'avoir de la qualité, de la qualité. Alors, Frère Jadid, quel est maintenant l'impact quand les clips ne sont pas réalisés à l'auteur souhaité, par exemple, en cet 21e siècle? Quel est maintenant l'impact que peut subir l'artiste? La première des choses, l'artiste aura du mal à pouvoir changer des étapes, en fait. Nous savons tous que aujourd'hui on peut commencer bas, mais pour avoir un certain niveau, c'est par rapport à ce que nous présentons au grand public. Donc, si nous sommes réputés à ne pas présenter des trucs qui sont bons, ça va nuire à notre comment je vais appeler ça? Ça va donner une mauvaise impression, en quelque sorte. Bon, moi je te coupe pas, mais je pense que bon, beaucoup d'artistes disent, hein, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est bon ou si c'est juste, ils disent que parce que je n'ai pas de producteur, parce que je n'ai pas, voilà pourquoi je ne peux pas réaliser des choses. Non, mais le problème, ce n'est pas d'abord le producteur. Le problème, c'est d'abord toi. Aujourd'hui, nous voyons même, il y a des gens qui ont des producteurs, mais ça ne produit, ça n'avance pas. C'est-à-dire, le problème, c'est d'abord toi qui as la vision. Toi qui es porteur de. Parce que le producteur vient juste pour t'accompagner dans ta vision. Le grand problème, c'est d'abord toi d'abord. Ta vision des choses. Où est-ce que tu aimerais que tu puisses atteindre? Aujourd'hui, nous n'allons pas dire que c'est tous les artistes qui ont propulsé avec l'aide d'un producteur. Il y a certaines personnes qui se sont battues. Bien sûr qu'après, ils ont eu des producteurs, mais au début, ils se sont forgés, si on peut le dire. En tout cas, ils se sont mis au four et au moulin. Et aujourd'hui, ça produit des bons fruits. Donc, la première des choses, ce n'est pas d'abord le producteur. La première des choses, c'est d'abord toi, le mec qui est porteur de la vision. Où est-ce que tu aimerais que tu puisses te retrouver demain? Alors, donc, on peut dire si nos clips réalisés au Congo sont je ne dis pas que jamais, c'est vrai, on a des artistes que j'ai déjà suivis sur Trace Gospel par exemple, les artistes du Congolais que j'ai déjà suivis sur Trace Gospel. Alors, je dirais qu'il y a une bonne partie qui ne sont même pas diffusées. Je dirais que si nos artistes ne sont pas diffusés, est-ce que les clips réalisés ne font pas partie des causes, hormis d'abord le côté son? Je sais que le côté son, on va traiter ce sujet dans une autre émission où on va appeler les ingénieurs.
Mais est-ce que ça ne fait pas partie aussi des obstacles qui nous empêchent d'être diffusés dans des chaînes internationales? Bon, la réalisation des clips fait aussi partie, mais moi je trouve que c'est pas peut-être l'élément clé en quelque sorte, parce que au-delà de certaines personnes qui, au-delà de certains de nos clips qui ne sont pas peut-être au standard par rapport à l'ère où nous sommes, mais il y a aussi des bons clips pour il y a aussi des bons clips pour les il y a aussi des Congolais aussi qui font des très bons clips aussi. Ça, on ne peut pas l'ignorer. Et aujourd'hui, on ne les voit pas sur trace. Donc, ça sera un peu difficile de pouvoir répondre complètement à cette question. Mais je pense que aussi que les clips aussi sont pour quelque chose. Parce que quand on soumet un clip à trace, il y a des normes qu'il faudrait respecter. C'est-à-dire, trace, il y a de ces normes qui nous imposent. Et quand ces normes ne sont pas respectées aussi, ils ne font pas accepter aussi ton prix. Ouais, c'est quand vous tournez avec les réalisateurs de derrière la maison. Quelqu'un qui a pris souvent la caméra, qui a filmé, oh, c'est un réalisateur. C'est aussi ça. Vous tournez des clips qui ne respectent pas les normes. Voilà, on peut pas se le refuser. Tu ne vas pas imposer tes normes. Il y a des normes standards que nous devons utiliser pour tourner nos clips. Comme le Jadil l'a dit, le teintage, les couleurs qui doivent se marier. Parce que si en regardant ton clip, ça fait mal à la tête, je ne pense pas qu'on peut diffuser ça. Si en regardant tes clips, ça fait penser à, je ne sais pas comment, je ne pense pas que ton clip peut être diffusé. Donc, il y a tout ça. Bon, nous allons essayer de juger le travail que fait le frère Jadil au travers de ce clip. Je sais pas, c'est pas son tout dernier clip, mais au travers le tout dernier clip qu'il a eu à réaliser. On va essayer de regarder son travail et je pense que chacun de nous allons le juger. On va mettre en commentaire, nous allons en juger par rapport à ce qu'il est en train de dire lui-même, à ce qu'il réalise. On va suivre donc ce morceau en quelques minutes et puis on revient juste après. Je suis de Mahanaïma. Qui habite un doux qui va vendre un yissou. Zaya yon soya tingama. Mwela alibu ya katoka. Malembe menu kalu sisidi. Qui habite un doux qui va vendre un yissou. Zaya yon soya tingama. Mwela alibu ya katoka. Malembe meno kalu sisi je. Vitandu kiba fonda yisu. Zaya yonso ya jingama. Mwela andibu ya kaduka. Malembe meno kalu sisi die. Yabitanu kibavonga yesu. Zaya yoso ya jingama. Mwela andibu ya katuka. Oh malembe meno kalu sisi die. Oh malembe, oh malembe. Malembe munzaya yo. Fumu yesu bamu kumini. Malembe meno kalu sisi die. Oh malembe, malembe, oh malembe mozayo, oh ay ay ay, bamo komi ni malembe meno, kalusi si kete, oh. Bamba banzambi, nujinga meno. Yesu ba mukomini,
fingile no kelo abuisi kiali keno kina manisa balaba zambi luti ngameno fumu izu bamuko mindi fingile no kelo abuisi kiali keno kina manisa oh malebe eh zai ofu Suba muko mimi malebe menu kalu sisi li oh malebe malebe onsa ya yo fumu yisuba muko mimi malebe menu kalu sisi li malebe malebe onsa ya yo malebe. Alors, c'était là l'un des clips que nous avons sélectionné pour vous montrer. C'est l'un des clips que nous avons sélectionné, tourné, réalisé par le frère Jadil. Bon, Snell, c'est le frère Eti Mon Désir. Tu peux taper sur Facebook ou sur YouTube Eti Mon Désir officiel, tu vas retrouver le frère. Hein, c'est toi qui as posé la question de savoir le frère. C'est le frère Eti Mon Désir. Maman Poitiers, l'émission, on a bloqué l'émission. Bon, je ne sais pas. Moi, le direct tourne toujours sur mon téléphone. Je ne sais pas si de ton côté, on nous a bloqué. Bon, je ne sais pas. Quand on dit aussi, je ne sais pas, certaines choses, l'algorithme aussi... détecte. Bon, je ne sais pas si c'est bloqué de ton côté, mais de notre côté, ça tourne. Voilà. Donc, on était là en train de parler de la réalisation de nos clips, les difficultés que les réalisateurs rencontrent. Mais les artistes, vous êtes là, nous voulons aussi savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez envers les réalisateurs. Vous pouvez aussi les évoquer. Puisqu'il y a des réalisateurs qui sont là. Et question de l'heure. Pour qu'on puisse parler. En fait, les gens doivent comprendre. L'émission, ce n'est pas peut-être pour pointer du doigt en quelque sorte. Non, l'émission, c'est pour chercher à se faire comprendre afin nous pouvons mener cette œuvre à bon port. En quelque sorte, c'est ça le rôle de l'émission. Ce n'est pas venir pointer du doigt les artistes. En fait, non. Nous aussi, peut-être, il y a certaines choses que, aussi, que nous avons du mal à comprendre auprès des artistes. Et ils peuvent aussi faire savoir aussi, nous aussi, nous allons se comprendre. Et ensemble, on va s'accorder pour présenter des trucs qui sont beaux à voir. Oui, Snell, il est le pointe noire, mais présentement, il réside maintenant à Brazzaville. C'est vrai que c'est un frère de pointe noire, mais il réside maintenant à Brazzaville. Ça fait peut-être une année ou une année et demie. Voilà, tu peux trouver toutes les informations sur sa page Facebook et puis les contacts si tu veux peut-être rentrer en contact avec lui, pardon. Voilà, donc vous étiez en train de dire, frère Jadil. J'étais en train de dire qu'on aurait souhaité qu'il y ait la présence au moins d'un artiste parce que le rôle de l'émission, nous ne sommes pas ici peut-être pour venir pointer du doigt les artistes sont faits, les artistes sont faits, non. Le grand problème, c'est pouvoir se comprendre mutuellement et d'avoir un terrain, donc comment nous pouvons marcher ensemble en quelque sorte. Alors, la difficulté aussi, elle est là. Nous avons des artistes qui sont là. Nous avons une émission qui a pour mission de promouvoir. Notre émission, c'est ça. Notre responsabilité, c'est ça. Nous accompagnons les artistes. Mais les artistes fuient. Et après, ils sont là tout autour pour dire, oh non, nous, on ne nous soutient pas. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on ne nous fait pas ceci. Oh, nous, vraiment, vraiment, nous, comme ça. Ils sont là tout autour. Mais l'émission est là. Venons. Parlons. Montrons aux yeux du monde de quoi est-ce que nous sommes capables. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ils sont incapables. Là, on attend les questions. Ils ne peuvent pas poser. Je sais qu'ils sont là. D'autres sont passés, ils ont juste cliqué, pouf, ils ont fui. Bon, je ne sais pas, il peut arriver aussi qu'il y a un problème de connexion.
puisque nous sommes au Congo. Mais ce que l'émission Gospel Time dépense tous les samedis pour tourner cette émission, d'ailleurs que les artistes ne payent pas, c'est quand même quelque chose. Pourquoi pas cet artiste aussi sacrifie. Pourquoi pas? Maman Prisca Espoir, merci beaucoup pour votre soutien. Merci. Maman Prisca, elle est artiste du Congo. C'est vrai qu'elle est à Bordeaux, mais elle est artiste du Congo. Elle est congolaise vivant en France. Donc, Maman l'a dit aussi, il faut préciser aussi. Maman Prisca, c'est des questions qu'il faut poser. Ah, T'as oublié? notre frère Nova est en train de se battre. Frère Aman, Oui, papa. oh. T'as oublié de préciser aussi que Maman l'a dit aussi est du Congo Brazzaville, c'est un artiste aussi. Les gens peuvent la Oui, retrouver sur YouTube. je sais que maman Louis est du Congo. Elle aussi, elle est à l'extérieur du pays. Je sais tout ça. Moi, je ne suis pas un artiste. Je m'intéresse à la musique chrétienne. Qui sait peut-être un jour. Oui, Snell, un jour. On ne sait jamais. C'est Dieu qui décide. Un jour, les choses peuvent. Voilà, Dieu peut t'appeler comme il a fait. Quand il a fait, il a appelé beaucoup de monde. Il continue toujours d'appeler. Parce que pour que nous soyons dans ce travail, le Seigneur nous a aussi appelés. Voilà, donc un jour aussi, je pense que Dieu va t'appeler. Ton jour arrivera. Alors, frère Nova, j'étais en train de dire quelles sont les difficultés que vous rencontrez quand un artiste vient vers vous pour solliciter vos services pour la réalisation de ses clips. Quelles sont les difficultés majeures que vous rencontrez? On a un sacré problème du côté de Brazzaville avec le frère Nova, mais je pense qu'on aura tout le temps, il va corriger cette difficulté et prochainement, je pense, on pourra réaliser une émission avec lui. Voilà, prochainement. Prochainement, je pense qu'on pourra réaliser une émission s'il plaît à Dieu, s'il peut corriger cette difficulté de connexion à son niveau. Alors, nous sommes en train de descendre déjà parce que nous sommes à plus d'une heure dépassée. Nous sommes en train de descendre déjà afin de boucler notre rendez-vous. S'il y a des questions, il est temps de les poser. Maman Lydie, maman Prisca, maman, j'ai vu maman Magarel. Alors, vous êtes Ah oui. des. Oui, nous avons déjà vu vos clips déjà sur YouTube, sur Facebook. Alors, partagez, dites-nous, est-ce que vous avez des difficultés que vous rencontrez avec les réalisateurs? Voilà, il peut y arriver, le réalisateur, Jupro, a évoqué que parfois on vous propose. Des sites, on vous propose des idées que vous ne voulez pas. Vous voulez seulement qu'on fasse ce que vous voulez et qui parfois n'arrange pas le réalisateur ou qui ne coïncide pas avec. Comment Oui, j'ai du frère mal à Nova. me connecter? Ah, là, c'est compliqué. Là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Comment En tout cas, là, c'est pas bon. La qualité, vraiment, c'est pas ça. Voilà. Donc, s'il y en a, vous le posez. S'il n'y en a pas, je pense que nous allons descendre petit à petit afin de se séparer. Ce sujet, elle est tellement trop vaste parce qu'il on aura beaucoup de choses à se dire, parce qu'il y a beaucoup de difficultés que nous rencontrons. Deux millions pour un clip, c'est quand même cher. Alors, maman Prisca, je pense que vous allez revoir la vidéo en off, hein? Vous allez revoir la vidéo, l'émission après, pour que vous puissiez comprendre pourquoi on a parlé de 2 millions. Alors, voilà, on n'a pas dit que il demande 2 millions pour la réalisation des clips. Non, 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 c'est pas ce qu'on a dit. C'est vrai que vous n'étiez pas là au début. En fait, c'est une estimation que nous avons faite pour le clip
du pasteur Moïse Mbie et s'inviter. Et donc, quand on a vu les making-of du tournage, on a estimé à combien peut coûter ce genre de clip de réalisation. Voilà, donc c'est ça les 2 millions. Les 2 millions ne c'est pas qu'on veut réaliser des clips, on réalise des clips de 2 millions. Non, si pour ceux qui veulent réaliser des clips, si vous êtes à Pointe-Noire, vous êtes à Brazzaville, vous êtes à Dolisie, partout, le frère Jiprorek est là. Donc, le frère Jadil, voilà, Jiprorek, donc c'est sa structure. Donc, pour ceux qui voudront réaliser, même si tu es en Europe, voilà, tu paies le billet, Ah Jipro oui. arrive, voilà. On n'a pas Le de passeport. frontières. Voilà, on a le passeport est là. Le passeport est là. Le Voilà, tout est là. Le passeport, lui, il ne fuit pas. Même si tu l'envoies en Europe, il ne va pas fuir. Il vient, il réalise ton clip, il finit, il rentre. Il va jamais fuir. Non, ne t'inquiète pas pour ça. Oh, non, s'il vient ici, il va fuir. Non, non, il ne va jamais fuir. Donc, peu importe là où vous êtes, si vous voulez réaliser vos clips, vos spots publicitaires, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est voilà, réalisation de supports de communication, que ce soit flyers, oui, Snell, non limite, il n'a pas de limite, il va partout. Même, comme dit, même sous la terre, sous l'eau, il va réaliser les clips là-bas. Voilà. Donc, tout ce qui est support de communication, tout, il s'en charge. Donc, pour ceux qui voudront rencontrer en contact avec le frère Jadil, il vous suffit d'aller sur Facebook, taper juste Jiprorek. Voilà, comme vous le voyez, sur le nom, tapez juste Jiprorek. Vous allez le retrouver sur Facebook. Je pense même après ce direct, il va laisser les liens dans les commentaires, les numéros WhatsApp dans les commentaires pour ceux qui voudront rentrer en contact avec lui pour la réalisation de vos clips, de vos supports de communication, tout ça là, vous allez voir. Et je pense même, frère Jadil, même les supports de communication, c'est-à-dire les flyers, quand tu regardes même les flyers d'un artiste, tu te dis même, hé, l'artiste là, c'est quoi même? Parce que ça te fait mal, tu as pitié. Tu as pitié. Quand tu regardes même ces photos, moi je félicite beaucoup maman Margarelle, je sais pas, c'est pas parce qu'elle est en ligne, mais moi je regarde ses visuels. Je regarde vraiment ses visuels. Je n'ai jamais vu maman Margaret publier des visuels prises avec des téléphones 16 mégas avec 16 mégapixels. Je n'ai jamais vu ça, en tout cas. À ma connaissance, non. Je dis bien, toutes ces publications, ce sont des photos professionnelles, C'est prises beau à voir. par un professionnel. C'est beau à voir. C'est-à-dire que tu as envie de voir, en fait. Ce n'est pas des photos qu'on ramasse. En fait, quand tu vois, tu as envie de découvrir qui elle est en quelque sorte. Où qui elle est? Mais vous n'allez pas me dire que maman Margaret, elle a beaucoup d'argent. Non! Mais avec le peu qu'elle a, elle s'efforce avec son image. Parce qu'elle se dit que mon image, je dois vendre mon image. Oui. Je dois me vendre. En fait, je dois d'abord me valoriser avant que quelqu'un vienne me valoriser. Voilà. Voilà même voilà le réalisateur. GG même est là. Bonsoir, monsieur Yep. J'espère que vous allez très bien. Dommage que vous êtes venu. Nous sommes pratiquement à la fin, mais merci quand même de votre présence. Voilà les réalisateurs de notre pays. Voilà les réalisateurs de notre pays. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Bon, dommage. Nous sommes à la fin. On a voulu bien que vous soyez là dès le départ, mais bon, c'est pas grave. Prochainement, je pense que vous allez donner votre point de vue en ce qui concerne les difficultés que vous rencontrez dans la réalisation de votre travail. Quand les artistes viennent vous rencontrer pour solliciter vos services dans la réalisation de clips, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? En fait, on était en train de parler de tout ça. Ah, vous étiez à Boko. Voilà. Dommage.
Vous étiez en mission à Boko. D'accord, soyez les bienvenus. Bon retour donc, bon retour parmi nous. Et je pense qu'on aura tout le temps de se collaborer pour d'autres sujets. Pour d'autres sujets. Bon, alors, merci quand même. Merci, merci beaucoup. Nous aurons tout le temps afin de trouver encore une autre thématique ou une autre niche qu'on va aborder. Question de réveiller la conscience de nos artistes que il est de notre devoir aussi de se sacrifier, de financer des bonnes choses pour notre avancement. C'est vrai qu'il peut arriver que les clips soient chers, mais si c'est pour bien vendre notre image, on a intérêt à bien faire les choses. Voilà. Donc, je pense que ce qu'il fallait, il était question pour nous de savoir ce soir que, voilà, les liens Facebook du frère Jadil est là, vous pouvez le retrouver dans les commentaires et puis rentrer en contact avec lui, discuter et puis collaborer pour la réalisation de vos trucs. Voilà. Alors, frère Jadil, je ne sais pas s'il y a un dernier mot avant que nous puissions, avant de boucler donc notre moment. Bon, le dernier mot, comme je l'ai dit en amont, nous ne sommes pas ici pour ruiner les artistes. C'est quelque chose qu'il faudrait souligner. Nous ne sommes pas là pour dire il faut nous donner 1 500 000, 2 000. Vous avez la possibilité aussi, il faut donner. Mais en fait, l'idéal, c'est quoi? La vision, c'est que nous puissions nous accorder. Nous devons savoir que pour espérer quelque chose de bon, quelque chose de super, il faudrait aussi s'y mettre, il faudrait se préparer. Et la préparation n'est pas juste peut-être morale, la préparation financière et la préparation artistique aussi, c'est quelque chose qui joue de beaucoup. En amont, j'avais donné l'exemple de nos frères qui sont en RDC. Si nous essayons de voir leur manière de travailler, nous allons comprendre que ce sont des gens qui ne sont pas pressés dans ce qu'ils font. Ils prennent du temps afin de pouvoir présenter quelque chose de bien. Donc, ce que je peux dire à nos artistes, main dans la main, essayons de relever, en fait, le niveau de nos réalisations ici au Congo-Brazzaville. C'est ça vraiment notre prière, que ceux qui sont en Côte d'Ivoire, quand ils vont voir quelque chose, ils disent que ah, c'est super. Moi, j'étais triste parce que j'avais présenté une réalisation à un frère et ce frère m'a dit que j'ai eu des amis qui ont vu ce que tu as réalisé. Ils se sont dit, est-ce que c'est un Kinois qui a réalisé ça? Et du coup, ça m'avait fait mal. Ouais, ça m'avait fait mal parce que moi, je suis un Congolais de Brazzaville et en présentant quelque chose qui est beau à voir, les gens pensaient que c'était un Congolais de la RDC qui avait réalisé ça. Donc, vous voyez, c'est pour dire que le talent ici, ce n'est pas moi. Il y a mon frère, il y a le maestro qui est là, GG Record. Et le talent y est au Congo. Maintenant, il y a certaines. Voilà pourquoi je dis que nous devons faire main dans la main pour pouvoir espérer à présenter quelque chose de waouh afin que qu'on puisse respecter aussi notre commun. Parce que si nous ne présentons pas des choses qui sont présentables, les gens ne vont pas nous respecter aussi. Si nous pouvons, sinon on ne peut pas présenter des choses présentables, on va manquer du respect. Voilà, on ne va pas nous Effectivement. respecter. Quand on parle du Congo, quand les gens écoutent le Congo à l'extérieur, on voit seulement la RDC. Les gens ne savent pas, il y a un Congo-Brazzaville aussi qui existe. Or, ça existe. Nous avons des gens qui sont talentueux. Je dis bien, nous avons des gens qui sont talentueux, qui chantent bien, qui chantent très bien, qui composent bien. Nous avons des réalisateurs de qualité. On prendra GG, on prendra Jiprorek, on a des Claude Ngoma, on a des Nova, on a des Dan Scott, ils sont nombreux, trop même. Mais
Le problème, c'est que nous manquons ce charisme-là. Nous manquons ces stratégies. Nous manquons tout ça. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on doit aussi regarder tout autour de nous. Il y a aussi le côté managérial, il y a aussi le côté social, le côté social média, le côté marketing. Parce que vous laissez ça au Saint-Esprit, où le Saint-Esprit Eh fera. oui, eh oui, eh oui. Il faudrait Non, se c'est pas mettre le sur la tête. Saint-Esprit qui fera. C'est nous. Qu'est-ce que nous sommes capables de faire? Le Saint-Esprit vient accompagner seulement ce que nous avons fait. Dieu vient appuyer ce que nous avons déjà réalisé. On ne va pas laisser Dieu toute la charge. Il nous a donné un cerveau pour réfléchir. Il nous a donné le talent. C'est à nous de le fructifier, de le multiplier. Et donc, nous osons croire qu'en cette année 2023, nous allons commencer à voir des clips, pas n'importe quel clip. Tu vois, le clip, on tourne seulement aujourd'hui. On finit le tournage aujourd'hui. Demain, après-demain, c'est déjà disponible. On peut faire ça. Comment? Quand on regarde, on déniche beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs que on pouvait bien corriger. Je pourrais que quand il a fini le montage, je pouvais bien appeler GG. GG, essaie, viens d'abord voir un peu. Essaie de regarder avec ton œil. Toi, tu vois ça comment? L'autre aussi essaie de voir. Il dit, est-ce que si tu ne pouvais pas utiliser tel tintage, si tu ne pouvais pas utiliser tel effet, c'est ça, en fait. L'objectif, c'est de faire sortir quelque chose. Quand ça va sortir, ça doit impacter. On est né pour dominer, quand même. Est-ce qu'on n'est pas né? On est né pour dominer. Mais si on est né pour dominer, on est né pour dominer, on va faire ça. On va dominer comment? Si ce que nous réalisons fait même peur. Quand on dit, c'est qui? Comment Brazzaville? On ne veut même pas savoir. Créons cette différence-là. Faisons cette différence. Si je vois maintenant des photos floues sur les On va comptes, signaler ses comptes. les pages Facebook de mes artistes, si je vois des photos floues, On va je vais signaler ça sur signaler. Facebook. Ah, je ne veux plus voir des photos floues. En tout cas, allez-y payer. Chez JPro, ce n'est pas cher. Il te fait ton shooting photo, c'est pas cher. Donc prenez contact. Je veux plus voir des photos floues. Si je vois des photos floues, je viens te dire en commentaire que c'est pas bon. Parce que nous voulons vous accompagner et vous aussi accompagnez-nous pour qu'on avance ensemble. Nous voulons créer émission gospel time, une grande émission de promotion de la musique gospel en Afrique. C'est une prophétie, hein? On déclare déjà. Amen. Une grande émission de promotion de la musique gospel en Afrique. Et donc, nous voulons aller ensemble. Et commençons petit à petit à corriger nos erreurs. Moi, déjà en 2023, je prends déjà rendez-vous. Je prends déjà rendez-vous avec JPro en direct avec vous. Voilà, en direct déjà. Je vais réserver shooting des photos de l'émission Gospel Time. Donc, voilà. L'émission Gospel Time, c'est déjà, c'est moi avec mon équipe. Donc, nous allons faire Charité shooting bien photo. ordonnée. Voilà, commence par soi-même. Donc, si vous regardez les photos floues sur la page Facebook du présentateur de l'émission, les photos floues, faut signaler. Signaler le Voilà, compte. faut signaler. Voilà, signaler que, gars, Aman Longo, tu as des photos floues. Faut signaler. Fini avec ça. 2023, on refuse des trucs médiocres. Fini avec ça. On refuse des trucs médiocres. On va commencer à avancer petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'à ce que nous aussi, on va atteindre l'excellence. Je sais que ça va marcher et je sais qu'on va y arriver. Que Dieu vous bénisse tous. Soyez bénis et restons scotchés. On se retrouve au samedi prochain toujours avec ce même plaisir. Restons connectés sur la page question de savoir les actualités. Jusqu'à présent, on n'a pas encore l'invité du samedi prochain. Alors, pour celui ou celle qui veut être notre invité, merci de nous écrire. Merci de nous écrire sur WhatsApp. Voilà, notre numéro est là. Écrivez-nous sur WhatsApp.
On va s'échanger et on va vous programmer. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve donc à samedi prochain. Restons scotchés sur la page. Et pour ceux qui veulent rentrer en contact avec le frère Jadil, il a mis le lien de sa page Facebook en commentaire. Vous allez rentrer en contact avec lui. De toutes les façons, frère Jadil, vous pouvez même laisser le numéro. Ça va aider. Laissez le numéro pour qu'on affiche le numéro. Donc, pour ceux qui veulent rentrer en contact avec le frère Jadil, vous écrivez sur Facebook où le numéro va être en commentaire. Vous l'écrivez sur WhatsApp aussi. Question de s'échanger. Si vous êtes à Pointe-Noire, si vous êtes à Brazzaville, voilà. Donc, le numéro est là. Si vous êtes même à l'extérieur du pays pour vos flyers, et fini avec les flyers que vous faites avec le téléphone. Voilà. Contactez un designer qui va réaliser les flyers professionnels. Il est là. Et ensemble, je pense que ça va aller. Soyez bénis et on se dit donc à bientôt et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir.